Ceci est un enregistrement de Léa pour audiocité.net. Extrait des Évangiles apocryphes par Pierre-Gustave Brunet. Le protévangile de Jacques le Mineur. Chapitre 1er. On lit dans les histoires des 12 tribus d'Israël que Joachim était fort riche et il présentait à Dieu de doubles offrandes, disant en son cœur « Que mes biens soient à tout le peuple, pour la rémission de mes péchés auprès de Dieu, afin que le Seigneur ait pitié de moi. » La grande fête du Seigneur survint, et les fils d'Israël apportaient leurs offrandes. Et Ruben s'éleva contre Joachim, disant « Il ne t'appartient pas de présenter ton offrande, car tu n'as point eu de progéniture en Israël. » Et Joachim fut saisi d'une grande affliction, et il s'approcha des généalogies des 12 tribus en disant lui-même « Je verrai dans les tribus d'Israël si je suis le seul qui n'ait point eu de progéniture en Israël. » Et en recherchant, il vit que tous les justes avaient laissé de la postérité, car il se souvint du patriarche Abraham, auquel dans ses derniers jours Dieu avait donné pour fils Isaac. Joachim, affligé, ne voulut pas reparaître devant sa femme. Il alla dans le désert, et il y fixa sa tente, et il jeûna 40 jours et 40 nuits, disant dans son cœur « Je ne prendrai ni nourriture, ni boisson, mais ma prière sera ma nourriture. »